Il y a clairement une tendance où de plus en plus de mineurs non accompagnés font ce trajet et nous pensons que c'est à cause de la situation qui se détériore en Libye. Beaucoup de personnes attendent sur les côtes libyennes pour faire ce trajet et avec les conditions météorologiques et maritimes qui s'améliorent, c'est clair qu'il y aura plus de migrants qui vont périr en faisant cette traversée. Nous savons que 17 000 migrants sont arrivés cette année et que 7 000 d'entre eux sont arrivés en avril, juste ce mois-ci. Parmi ces migrants, 1 000 d'entre eux sont des enfants qui sont arrivés en Italie, seuls. Ce sont les plus vulnérables. Leurs histoires sont absolument horribles. Ils ont traversé des déserts, des zones de guerre avant de s'embarquer sur cette périlleuse traversée en Méditerranée.